Bonjour à tous, c'est le Dédalucard et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. Et je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Resident Evil 4. Je m'en excuse, c'est juste que j'étais concentré à finir les jeux sur lesquels j'étais vraiment sur le point de terminer. Donc je me suis pas trop attardé sur, sur Resident Evil. Puisque ça fait partie en fait des jeux qui je suis à peine à la moitié je pense hein, et encore je pense que c'est assez exagéré de dire la moitié. Donc là on se retrouvait face à une porte qui était fermée hein, comme vous l'avez pu le montrer. Donc on va se déplacer ici et on va pouvoir se rendre compte qu'il y a un grand méchant pabeux là-bas. On va prendre les grenades et autres. Je sais plus si... Ouais. Une petite cache d'or que je connaissais, hein, tout simplement. Il me semble qu'il y a... LOL. Hop. Je descendrai tout à l'heure, je la récupérerai. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, capturer Luis Serra, je sais désormais que Serra est entré dans le château. Pourquoi revient-il pendant son évasion? Je me demande quelles sont ses intentions, mais nous devons profiter de l'occasion pour le capturer. Nous nous occuperons des deux Américains après avoir pris la main sur Serra. Avoir mis la main, pardon. Il a pris des vaccins quand il a volé notre échantillon. Les vaccins ne sont pas très importants, mais nous devons à tout prix récupérer cet échantillon. Notre vie en dépend. Il doit y avoir un groupe, quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire. Si cet échantillon tombe entre de mauvaises mains, entre les mains de cette entité, le monde que nous voulons créer ne verrait jamais le jour. Oh putain, ne verrait jamais le jour, nous devons capturer ça le plus vite possible. Je me galère à parler, à lire surtout. C'est un peu assez incroyable. C'est peut-être parce que j'essaie de réfléchir à ce qui se passe après. Bon, ça, je me rappelle. La clé qui se trouve ici. Parce que c'est une prison en fait. C'est la clé de la prison parce que c'est une prison. C'est peut-être une prison. Ouais. La clé de la prison. Prison avait des portes comme ça, voilà quoi. Alors, wait. Je vais demander à Ashley d'attendre, parce que l'adversaire qui se trouve en face de moi, c'est pas qu'il est chiant, mais si quand même un peu. Enfin, on va dire que techniquement c'est pas le mec que tu voudrais voir, tu vois. C'est... Alors question, ah moi tiens d'ailleurs, j'avais pas fait de. Voici à peu près ce que j'ai en équipement, hein, si vous n'aviez pas encore vu ce que j'avais exactement. Donc on peut voir que j'ai plus beaucoup de balles de pistolet, là, je suis en train de me rendre compte. Donc on va essayer de se servir de la mitrailleuse. Pour économiser un peu. Donc là, il y a un méchant pas beau. Je crois qu'il va s'énerver quand je vais m'approcher. Voilà. Ça mon gars, c'est du méchant, t'inquiète. Ah, déjà? Allez, un... Je sais pas combien de coups il faut, hein, je vous le dis tout de suite. Merde! Ah, je me suis trompé, je me suis trompé. C'est sûr que si je me trompe de bouton, le rechargement, c'est pas terrible. Ah l'enfoiré! C'est pas vrai, tu m'as pas vu. C'est pour ça qu'il est assez chiant, en fait on peut le toucher que à l'arrière. Mais bon ça je pense que tout le monde le connaît ce monstre. Hein, depuis. Ah, il se dirige vers Ashley. C'est Space. Tout cet enfoiré. Il
sais que je suis là. Oui. Il suffit de faire ça. C'est plus difficile que ça en a l'air. Est-ce qu'il va me charger dessus? Non, je vais recharger. D'ailleurs, il entend pas le clac-clac. C'est pas entendu par contre. Voilà. Ouais, il est pas si compliqué que ça en fait. J'ai capté ce qu'il fallait faire. C'est un peu... C'est bien d'avoir des grandes griffes, mon grand, mais... Si tu sais pas t'en servir... Wouh! On a refait le village, un peu. Ah, c'est que je suis là. Voilà! Follow me. Maintenant, achetez, suis-moi. Et on va prendre... qui va augmenter notre vie. Alors non. Nanana. Donc un adversaire qui est pas si compliqué que ça, surtout quand vous avez vous connaissez la technique. Pourquoi je fais ça moi? Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant on va continuer notre chemin. Donc on a récupéré, enfin récupéré. Ah, c'est pas qu'on a récupéré quelque chose, c'est que je croyais qu'il y avait des ennemis qui venaient nous affronter. Ah mais je suis con, le levier, merde, parce que vous vous dites, ouais, on a récupéré des sous, oui, j'ai récupéré de l'argent, mais sur le coup je me suis demandé, merde, mais c'est, il n'y avait pas que ça à récupérer, mon grand, bah là, mon grand dédalucard, hein, qu'est-ce que ça va, ça. Mais en fait, on vient parce qu'il y a ça. Voilà. Ce qui permet donc de pouvoir passer les chevaux lance-flammes. Les chevaux lance-flammes, les mecs. Ça rigole plus. Hein. Et là, je sais que. Voilà. Maintenant. Bonne idée. Tellement de puissance. Oh. Voilà, 69 balles qui me restaient. Alors, on va continuer. Ah non, non, non. Bon, allez. Hop, meurs. Engeance. Alors, on va continuer. Des munitions. Munitions de TMP en plus, c'est plutôt pratique. Munitions de pistolet, c'est pas mal, surtout quand t'es à court comme moi en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il va me lâcher un truc? Non. Sinon, ça m'aurait proposé de le ramasser. Alors, continuons. D'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose, c'est que puisque j'ai augmenté la taille de mes vidéos de certains jeux, je pense que je vais aussi augmenter la taille des vidéos de Resident Evil. Hop, hop, j'ai fait assez mal. Ça pue. On va s'écarter. Moelle, 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 moelle. On va faire ça. Brûle. Hop. On n'a pas pu se retourner pour voir l'explosion, mais c'est pas grave. Allez!
Merde. Alors, on va continuer comme ça, avec le pistolet. Ninja! Allez, crève. Une balle de fusil dans la tronche, t'es pas encore mort, toi? Ah, putain! Allez, d'accord. Voilà. Regardez. Non, apparemment, il n'y a pas... j'ai pas de flash, alors, non. Non. Merde. Ah non, c'est bon, je l'ai touché aussi. Donc, ce fusil-là, le lance-mine, il est quand même vachement pratique. Dans le sens où, si vous avez un ennemi avec un bouclier, moi, ce que je vous conseille... C'est vraiment... Voilà, vous faites ça et regardez. Même, il n'y a plus d'ennemis. Voilà, c'est bête, mais ça marche toujours. Alors, on va recharger nos armes parce que là, si je continue à avancer, ça va pas le faire. Parce que... Faut savoir que moi, je recharge toujours mes armes. Tout le temps. Certaines personnes vont se reconnaître. Faut toujours recharger ses armes. Toujours. C'est très très important. Ça évite de se retrouver à court de munitions alors qu'on est à deux doigts de se faire frapper. Alors. J'ai tout pris. Ouais. D'ailleurs, je me suis mangé un petit peu de dégâts. Mais c'est pas trop grave ça parce que franchement, comparé à ma possibilité de me soigner, c'est pas gênant. Alors. Vraiment tout recharger. D'ailleurs, je vais me balader au fusil à pompe parce que j'en ai marre le cul moi. Alors ici on peut pas ouvrir, il faut aller droit devant. Oh, j'ai bien fait de prendre le pompe. Ah, j'allais dire sinon tu crèves quand? Alors, on va casser ça pour prendre les munitions. Alors, une grenade, c'est très utile. Une balle de pistolet, personne. Non, c'est bon. Alors, on va récupérer d'un peu de vie. Et on va s'en servir. J'ai envie de manger l'œuf. Ah, écoute, bah écoutez, je pense que. Voilà, c'est parfait, j'ai récupéré toute ma vie. Alors, oui. Ashley, tu vas attendre là pour marcher sur la dalle. Et moi, je vais aller là. Hop, ça active ce mécanisme. D'ailleurs, la manivelle, on sait pas comment elle est passée. Follow me. Et je sais que là, c'est assez spécial. Dans le sens où, en fait... T'en as qui vont débarquer d'ici. Mais t'en as aussi qui débarquent de là. Donc je pense que je vais attendre un peu. Voilà. Un client. Allez viens, approche. Voilà. Non, j'ai pas vraiment d'armes plus appropriées. Donc on va rester sur ça. Voilà, level là le mec du duo. Plus un mec au bouclier, tu sais, dans le et il était directement parti à l'extérieur hein, parce que lui c'est un mec, il est là pour te prendre par derrière quoi. Quel cochon. Non, approche-toi pas. Non, non, non. Trollé par un enfoiré qui s'était mangé une fléchette mine. Bon bah tant pis, par contre je sais pas du tout où on recommence. Ici! Oh là 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 là! Ça par contre c'est pas terrible. Alors on va essayer. 1. 2. 3. Alors le problème. C'est que là.
Attends. Ah mais non, ça a compté comme une porte où il pouvait s'enfuir. Non. Putain, mais quel beat. Ah. Bon, il faudrait que tu joues un petit peu mieux, hein, quand même. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à finir le jeu, hein. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Alors. D'accord, si en plus je sais pas viser. Est-ce que le bip bip il continue pendant... Non, il a pas continué. Crève. Voilà, j'ai trouvé une technique un peu plus rapide. Bon. C'est un fusil à pompe que j'ai mon pote, hein. C'est pas... Ça marche bien aussi ça. Oh, je fusil à pompe. Alors... On se retourne. Et bim. Et bim. Et bim. Alors, le sniper, tu vois, c'est vachement bien. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique sur la Wii. Pas photo, je suis désolé. Pourtant, on vise pas vraiment avec la Wiimote sur la Wii. C'est pas cette question là, c'est que c'est plus... C'est plus intuitif, j'ai l'impression. J'aime pas du tout la manette avec laquelle je suis en train de jouer en fait pour pouvoir viser avec le sniper. Elle est bien dans le reste, hein, à part que les boutons sont un peu, je vais pas dire inversés, mais ils sont pas comme normalement sur la version PS3. Mais c'est largement suffisant. Allez, tombe dans les escaliers. Attends, il est encore vivant. Crève. Il est encore vivant. On va se replier. Pourtant ce passage là il est pas extrêmement difficile, hein. C'est juste que je me suis merdé de deux fois et puis c'est tout, hein. Bon, je fasse gaffe à son arrivée l'autre là. Quand est-ce qu'il arrive? J'ai pas l'impression qu'il veut vraiment venir. Cette esquive. Ah ouais, t'es encore vivant toi après 3 cartouches de pompe. Ah bah non, hein. Bon. Lui il commence à m'emmerder. Eh bim. Vous avez vu que je suis un peu plus réactif au sniper. Bah j'ai trouvé une technique assez simple. Il suffit tout simplement de jouer, de bien jouer. C'est le cas. Non, la stratégie elle est assez simple. En fait, quand vous savez que vous allez utiliser sniper, vous préparez votre petit doigt pour zoomer. Tout simplement. Et ça marche très bien. Parce que je vous rappelle que pour zoomer, il faut que j'appuie sur la touche haut de mon clavier. Alors que je suis en train de jouer avec une manette. Parce que j'ai pas trouvé la... comment on faisait sur cette manette. Donc bon, j'ai pas... Wait. J'ai pas vraiment cherché. Hop. Follow me. Et j'ai envie de passer... Ouais, mais non. Il est arrivé assez vite, le mec, donc je vais tout simplement l'attendre. Je vais même l'attendre avec une petite surprise, moi je te le dis. Allez, vas-y, amène-toi. Je l'entends. Bim. C'est lag. Eh, amenez-vous là. Et là, je me suis loupé. Mais c'est pas grave, parce que regardez, j'ai beaucoup de grenades. Donc ce que je vais faire, c'est... Barrage. Un petit feu de barrage. Et ma mine, ma flèche mine, elle a pas servi à rien, parce qu'elle a éclaté. Allez-y, venez. Eh bien, pas l'air décidé à venir. Oh, à la place c'est un pote. Ouh, ça c'est moins pote.
coup là. Regardez du coup. Chlap. Et c'est sûr que si j'appuie pas sur la touche tirer, ça le fait pas. Et vous avez vu que je peux du coup être beaucoup plus réactif dans mes tirs. Et ça c'est quelque chose qui va vraiment être important au bout d'un moment. Parce que bon, faut pas croire, hein. Resident Evil c'est quand même un jeu qui se révèle être vraiment full action finalement au bout d'un moment. Et viser vite et viser bien c'est quelque chose forcément qui est très très important. De toute façon dans tous les jeux de tir c'est important. Maintenant. Ça me saoule. Voilà. Un petit coup de ménage. On va s'écarter un peu en faisant attention au tir d'arbalétrier. Bon, ils ont peu de chances de me toucher quand je suis en train de me déplacer. Hein, donc, en profiter. Ah, par contre, Ashley, forcément, hein. Tiens, mange. Mange. C'est de l'herbe. Alors, je me mets en protection. Un. Il est où le deuxième? Là. J'entends un truc qui me plaît pas. C'est bon, il est loin. Je t'approcherai pas plus près. C'est bon, c'est fait. Alors ça, ces mecs-là, là, et ces sentinelles sur le côté, je m'en souviens pas du tout. Donc je suis en train de me demander si c'est pas un truc Non non non, tu vas... Toi tu vas l'utiliser. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, toi tu peux pas me défendre. J'imagine que si c'était nous qui l'avions fait, ça irait beaucoup plus vite. Mais que en contrepartie, il aurait fallu qu'il n'y ait pas d'ennemis. Alors... Moi je préfère jouer sécurité. Parce que la vitesse, en plus bon ça le fait tout seul. Je me disais encore qu'au bout d'un moment ça serait lent, mais non ça va encore. Alors on continue. On va essayer d'aller récupérer les munitions et autres. Haha, j'ai récupéré. Un spray de premier secours, ça peut être vraiment pratique. Comme quoi faut y aller sur les côtés là parce que on sait pas ce qui se trouve dans les vases. Hein. Hop. Fusil à pompe, pourquoi pas. On va essayer de casser. Look, there's a crank over there. Ah, on va être obligé de. Non, c'est bon. Je vais récupérer d'abord ce qu'il y a dans les vases. Tout simplement parce que j'ai une... Normalement, il y en a un qui ce sera des... Voilà, des munitions de fusil. Et je n'ai plus de fusil, tout simplement. Donc j'aimerais bien recharger parce que là, je vais en avoir besoin. D'ailleurs, c'est un passage assez stressant dans le sens où on n'a pas énormément de munitions de fusil. Donc on va devoir l'apporter pour qu'elle ensuite se déplace ici pour activer les manivelles. Watch out for me. Surveille-moi, ouais, vas-y. De toute façon... Alors, pour... Oh. Il faut les tuer au fusil, à pompe. Là. Hop. Vous avez vu. Vous avez peut-être compris pourquoi je vous ai dit que ça deviendrait important de viser vite. Celle intelligente, elle va voilà, passer par là. Toi, je vais te faire la peau. Oh.
rapidement. Ah! Merde. Hop. Est-ce que là il y a des balles de snipe? Non, ça aurait été logique, mais non. Donc j'ai une balle. Mais tu veux que je le chope comment lui? Allez bim. On va les retenir. Il suffit de tirer dans les pieds. Voilà. Dépêche-toi de venir maintenant. Quoi. Putain, je dois en plus de la rattraper. Tu sais, il y a quoi? Il y a 1 mètre, 2 mètres, allez, maximum. Où elle est vraiment en chute libre. Après, c'est. Ça va, quoi. Je veux dire, n'importe qui peut sauter ça, quoi. Ah bah non, hein, faut aller la porter, hein. Et normalement, on s'en sort. Un passage quand même assez stressant, finalement. Vous pouvez pas abandonner H. Ah bon? Ah bah, d'accord. Je ne pouvais pas abandonner Ashley. Oh my god! Et voilà, les méchants ne nous suivent plus parce que cette porte est magique. C'est incroyable. Et on va en profiter pour recharger nos armes. Et vous pouvez voir que finalement, j'ai pas vraiment tant de munitions que ça. Hein, parce que bon, j'ai de quoi en TMP, mais j'ai rien d'autre quoi. C'est tout. J'ai récupéré un peu du pistolet, mais bon. On va essayer de trouver des munitions, d'accord. Surtout si je les gâche un petit peu, vous voyez, mais c'est pas terrible. Hop là. Alors, voilà, quelques petites cartouches de fusil à pompe. Ah, c'est quoi ça? Une grenade, c'est toujours sympatoche. Ça, j'ai pas confiance. Des fléchettes lance-mine, de l'herbe verte, hop, et on m'a appelé. Non, il m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire? Welcome. On va d'abord. Ouh, ma jambe est entre les tiennes. Là, on va pouvoir vendre. Voilà. Acheter. Un spécial. Ah. Thank you. Hop, pour l'instant je vais tout acheter du Red 9, le Rion Gun, pas photo, le fusil semi-auto, j'ai pas assez de sous. Voilà. Et bah écoutez, on va en profiter que je suis là. Bah non, écoutez, on va faire autre chose, on va aller là. Pour que vous profitiez de cette cinématique. You're right. I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Et on va laisser ça faire. Alors ça me fait délirer parce que c'est un peu. On veut la tuer, mais en fait ils en ont assez besoin en fait. Ashley, what's going on? Et lui, il voit ça. Que va faire Léon?
Ah non, il n'y va pas. Tiens, d'ailleurs, il me semble... Je suis pas sûr que si on y va, ça active les pics. Bon, bah écoutez, je peux sauvegarder maintenant, donc je vais le faire. Et ce sera tout simplement la dernière fois... Enfin, ce sera la dernière sauvegarde de cette vidéo. Tout simplement, puisqu'on va se quitter sur... Justement... Ce petit coucou de Salazar. Coucou. Salazar, how'd you? We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she went into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes. Out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. D'ailleurs, ces insectes, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est un ennemi qu'ils auraient dû un petit peu mieux... comment dire ça? Ils auraient dû un peu plus travailler ce concept-là, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que les monstres insectes, les monstres araignées et autres. Monstres araignées, les monstres insectes, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la plupart des gens qui me disent des monstres qui font peur dans Resident Evil, ils me parlent, bon, bah, forcément des régénérateurs, hein, parce que même moi, les régénérateurs, franchement, ils me font flipper. Hein. Mais les ennemis insectes, franchement, il y a vraiment beaucoup de monde qui adore, qui les adore, parce que au moins, eux, ils font vraiment peur, quoi. C'est un petit peu dégueulasse par rapport à ceux qui sont arachnophobes, parce que bon, ils se disent ouais non mais ça va pas, et moi je suis arachnophobe, enfin bref, voilà. Mais moi je trouve qu'ils auraient dû faire plus d'ennemis un peu insectoïdes, on va dire. Voilà. Et bah écoutez, c'était le Dédalucard, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner ou à me poser des questions par MP, je vais y répondre, je vais les lire. Et rien d'autre à rajouter, tout simplement. Je pense que je vais poster un peu plus de vidéos de Resident Evil 4 et de Dishonored, parce que c'est des jeux que j'ai un peu délaissés, pour finir à tout prix L.I.E. et Jurassic Park, parce que c'était finalement, dans toutes mes vidéos, c'était ces jeux-là qui, franchement, marchaient le plus, quoi. Donc voilà, si vous voulez savoir mes autres projets de Let's Play, il va falloir que vous regardiez mes autres vidéos, du genre comment se porte la chaîne, tout ça. C'est des vidéos qui généralement racontent vraiment ce que sur quoi je vais partir ou autre. Mais bon, voilà, c'était pour vous indiquer ça. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien. D'ici là, il faut que vous portiez bien pour regarder la prochaine vidéo. Rappelez-vous que les jeux vidéo sont faits pour vous amuser, et je n'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est à plus.